was a conference for 1 week. La conférence était pour le thème était que Jésus-Christ de Nazareth. The title was Jesus of Nazareth. Puisque beaucoup des églises ont crié Jésus, 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 Jésus. Because most of churches are crying Jesus, Jesus, Jesus. Mais nous voulons Jésus de Nazareth. But we need Jesus of Nazareth. Que le Jésus de la Bible que nous voulons. The Jesus of the Bible that we need. Mais nous ne voulons pas Jésus de la religion. We don't want Jesus of the religion. Alléluia. Amen. C'est ça que nous voulons dans notre vie. It's what we want in our life. C'est ça que les apôtres faisaient. It's what the apostles were doing. Dans leur vie. In their life. Et nous avons passé des bons moments avec des frères là-bas. And we have nice time with them. Et ils vous ont salué aussi dans le nom de Jésus-Christ. And they greet you in the name of Jesus of Nazareth. Alléluia. Amen. Puisque notre Dieu est bon. Because our God is good. Il y avait beaucoup de gens qui sont venus à l'extérieur. A lot of people come from abroad. De la Tanzanie. From Tanzania. De la Zambie. From Zambia. Même en Afrique, il y avait des gens qui sont venus de Gabon. From Africa also, from Gabon. De Ghana. Ghana. Et de l'États-Unis. And from the United States. Comment nous étions dans la joie. We were glad. De voir le peuple de Dieu et les serviteurs de Dieu en train de parler pour la part de Dieu. To see people of God and servants of God speaking about the word of God. Nous étions dans la joie, mon frère et soeur. We were in joy. J'ai remarqué une chose là-bas en Belgique. I found something in Belgium. Et là-bas, ils prient trois fois par semaine. They have three times for meeting, prayer meeting. Mardi. And Tuesday. Jeudi. Thursday. Et dimanche. And Sunday. Mais les gens travaillent. They are working. Mais à 19h, et tous sont là dans l'assemblée. At 7, all of them are in the church. Si nous devons prendre cet exemple pour nous ici, là, ce serait aussi bien fait. If we have to take that example for us, it will be good. Alléluia. Amen. Nous avons aussi visité la Belgique. We visit also Belgium. Nous avons vu beaucoup de choses aussi. We saw many things. Et nous avons vu la prophétie qui est dans le livre de Apocalypse chapitre 17. We saw the prophecy that is talking from the book of Revelation. 17 verset 3. 17 verse 3. Il y a un cheval qui est une femme montée sur ça. There is a woman on the on a boat. C'est que Jean a vu. What John saw. Ça, nous devons lire ça même à la maison. We can read it. Nous avons vu aussi. We also saw. Ce que Daniel a parlé. What Daniel said. Que on a mélangé la terre argile avec argile avec la terre. That they mix the clay and the iron. Nous avons vu ça en Belgique. We saw it in Belgium. Mon frère et soeur, nous sommes au temps de la fin. My brothers and sisters, we are at the end time. Le monnaie que nous voyons est haut. The money that we are seeing. Ça ne doit pas baisser, frère. It will not come down. Ça va être toujours en haut. It will always remain. It will always be on the high position. Nous devons prendre notre Bible dans le livre de Daniel. We can take our Bible from the book of Daniel. Daniel chapitre 2. Chapter 2. Si quatre pouvez bien nous dire Daniel chapitre 2 verset 40 à 41. Daniel 2 verset 40 et 41. Si le cas pouvez bien lire. And then there will be
a fourth empire, as strong as iron, which shatters and breaks everything. And just as iron shatters and breaks everything, and just as iron shatters everything, it will shatter and crush all the earlier empire. 41. You also saw that the feet and the toe were partly clay and partly iron. This means that it will be a divided empire. It will have something of the strength of iron, because there was iron mixed with the clay. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, nous avons vu ça en Belgique. My brethren, we saw it in Belgium. Celui qui va partir en vacances en Belgique, on va lui montrer ça, frère. If you go there, they will show you. Nous sommes au dernier temps, mes frères et sœurs. We are to the end time. Nous devons se préparer. We must get ready. Puisque notre Dieu bientôt va retourner. Because our Lord soon is coming. Puisque il est notre Dieu. Because he is our Lord. Comme il a promis. As he promised. Il va venir. He will come. Prenez le temps. Take time. De recevoir la parole de Dieu dans ta vie. To receive the word of God in your life. Jésus t'aime. Jesus love you. Jésus ne peut pas t'abandonner, mon frère, mon sœur. Jesus cannot forsake you. Il est toujours à côté de vous. He is always next to you. Alléluia. Amen. Donc nous devons prendre le temps, mes frères et sœurs, dans la parole de Dieu. We need to take time in the word of God. Ma prédication d'aujourd'hui. The preaching of today. La Bible dit que Jésus nous aime. The Bible says Jesus loves us. Jésus nous aime, nous tous dans cette salle. Jesus loves us, all of us here. Puisque nous avons besoin à lui. Because we need him. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ne tombez pas, mes frères et sœurs. Don't sleep, brothers and sisters. Ne sautez pas dehors, frère. Don't go outside. Et restez dans la présence de Dieu. Stay in the presence of God. Quand tu sors, when you go out, tu vas prendre rien. You will receive nothing. Mais si tu restes ici, when you stay here, tu vas recevoir quelque chose qui va changer ta vie. You will receive something that God will change in your life. Alléluia. Amen. Quand je dis ne sortez pas, when I say don't go outside, ta conscience, frère, it's your conscience. Ne pensez pas à la maison. Don't think about your house. J'ai laissé les macaroni. I left the macaroni. J'ai laissé quelque chose là pour manger. I left something to eat. J'ai un rendez-vous là-bas à 14h. I have a meeting at 2 o'clock. Non, frère, restez à la maison de Dieu. No, stay in the house of God. Toutes les choses là, ça va passer. All the things that you left. Mais la parole de Dieu, ça ne doit pas passer dans ta vie. But the word of God will remain in your life. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qui a besoin de ça? Who need this? Qui a besoin de ça? Everybody. Who need this? Everybody. Il y a son train de le faire. Who need it? Everybody. Okay. Qui a besoin de ça? Who need this? Qui a besoin de ça? Qui a besoin de ça? Who need this? Alléluia! Amen. Frère, nous avons la valeur devant notre Dieu. We have a value in front of our God. Les amis, vous avez appris une leçon de grand valeur. Friends, you learn a lesson, a very value lesson. Quel que soit l'état de cette billet, quel que soit l'état de cette billet, comment on a effacé ça? As we make this money like that,
Mais ça n'a pas perdu sa valeur. It did not lose a value. Ça a toujours la valeur. It has always the value. Quelle que soit la position qu'on a mis cet argent, even though the position that we make with this money, ça a toujours la valeur. It has its value. C'est la même pour nous. It's also for us. Nous ne perdons pas notre valeur devant notre Dieu. We cannot lose our value. Nous avons la valeur vraie. We have the value. Tantôt Dieu t'a dit de décourager. Sometimes you discourage. Ah, je n'ai pas la valeur devant les gens. I don't have the value in front of people. Mais devant Jésus Christ, tu as la valeur. But in Jesus, you have the value. Alléluia. Tu as la valeur, mon frère, ma soeur. You have the value. Quand Dieu parle quelque chose pour nous, when God says something for us, c'est très important. It's important. Et la chose ça la valeur. And the thing that he say it's important. Alléluia. Amen. Nous ne devons pas se décourager, mon frère, ma soeur. We cannot discourage ourselves. Nous devons croire à la parole de Dieu. We need to believe in the word of God. Frère, ma soeur, tu as la valeur devant notre Dieu. Brothers and sisters, you have a value to God. Dieu t'aime. God loves you. La Bible dit que Dieu nous aime comme il a aimé son fils Jésus-Christ. The Bible says that God loves us as he loves his son. Alléluia. Amen. Nous devons s'aimer les uns les autres, frère. We need to love each other. Quelle que soit la couleur que toi tu as, even though the color of your skin, Dieu t'aime, mon frère, ma soeur. God loves you. Tu ne peux pas t'oublier, mon frère, ma soeur. God cannot forget you. Nous devons regarder dans le livre Psaume 139. We can open our Bible in the book of Psalms 139. Dans le Psaume 139, verset 1, il nous dit Psalm 139, chapter, verse 1 says, Seigneur, tu regardes jusqu'au fond de mon cœur, tu me connais. Lord, you have examined me and you know me. Le Seigneur te connaît, mon frère, ma soeur. God knows you, my brothers and sisters. Il regarde jusqu'à dans ton cœur. He's examining your heart. Il connaît tout ce que tu es en train de penser. He knows everything that you are thinking. Comme tu es assis là. As you are sitting down there. Le Seigneur connaît ce que toi tu es en train de penser. He knows what you are thinking. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Verset 2 dit que tu sais quand je m'assois et quand je me lève, longtemps avant, tu sais ce que je pense. Verse 2 says, you know everything I do. From far away, you understand all my thoughts. Verset 3, quand je marche et quand je me couche, et tu connais toutes mes actions. Verset 3, you see me whether I am working or resting. You know all my actions. Frère, ma soeur, Dieu connaît toutes les actions de nous sommes en train de faire. Brothers and sisters, God knows all our actions. En quittant la maison ce matin, Dieu connaît le chemin où toi tu as pris. When we left our home, he knows all the way we passed by. Puisqu'il est notre Dieu. Because he is our God. Il connaît tous nos problèmes, mon frère, ma soeur. He knows all our problems. C'est pour cela que nous avons la valeur devant notre Dieu, frère. Because we are value in him. Nous ne devons pas se décourager, frère. We cannot fall. Discourage ourselves. Tu as la valeur plus importante toutes les choses, mon frère et ma soeur. You are value to God. Dans le verset 4, verse 4, je n'ai pas encore ouvert la bouche, tu sais déjà tout ce que je vais dire. Even before I speak, you already know what I will say. Frère, c'est ça, nous devons toujours prier. That's why we need always to pray. Tu n'as pas encore parlé. You did not even speak. Le Seigneur Jésus-Christ connaît ce que toi tu as besoin. The Lord Jesus knows already what you need. Mais il sait prier sans cesse. But he said, pray without ceasing. Alléluia. Amen. Nous devons prier, mon frère, ma soeur. We must pray. Dans le verset 5, il nous dit, verse 5, tu es derrière moi, tu es aussi devant moi.
Tu poses ta main sur moi. You are all around me on every side. You protect me with your power. Alléluia. Amen. Partout où toi tu parles, mon frère, ma sœur. Whenever you can go, le Seigneur avec toi. God is with you. Tantôt tu pars dans un bureau comme ça. When you go to an office, les gens, on ne voit pas ta valeur dans ce bureau. They cannot consider you in that office. Mais c'est le Jésus qui connaît ta valeur. But Jesus know your that you are valued to him. Alléluia. Amen. Il va t'aider là où tu es parti pour mon frère. He will help you the place where you are going. Puisqu'il est toujours avec toi. Because he is always with you. Il est devant toi. He is in front of you. Il est aussi derrière toi, mon frère. He is also at your back. Il marche toujours avec toi. He is walking always with you. En tant qu'enfant de Dieu. As a son of God. Alléluia. Amen. Dans le verset 6. Verse 6. Tu me connais parfaitement, pour moi c'est ton beau. Cela dépasse tout ce que je peux comprendre. Your knowledge of me is too deep. It is beyond my understanding. Le Seigneur nous connaît parfaitement, mon frère, ma sœur. God knows us perfectly. Il y a des gens qui le disent souvent. There are people who tell me, je me connais moi-même là où je suis. I know myself where I am. Non, frère, tu ne connais pas. No, you don't know. Tantôt tu peux sortir comme cela, l'accident des femmes. Sometimes you can go out and you got an accident. Mais le Seigneur te connaît parfaitement, mon frère, ma soeur. But God knows you perfectly. Et nous devons marcher selon la parole de Dieu, mon frère, ma soeur. And we need to walk according to the word of God. Dans le verset 6, verse 7, où allais-je de toi? Où ferais-je loin de ton regard? Where could I go to escape from you? Where could I get away from your presence? Alléluia. Amen. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ont de fuir dans la présence de Dieu. Today, many Christians are going far from the will of God, the presence of God. Frère, nous devons rester dans la présence de Dieu. We need to stay in God's presence. Si Dieu nous envoie quelque chose, nous devons faire ça, mon frère, ma soeur. If God tells us to do something, we need to do it. Puisque nous avons la valeur devant notre Dieu. Because we are valued to Him. Quel que soit le temps que nous avons. Even though the time that we have. Quel que soit le péché que nous avons. Even though the sin that we have. Mais nous avons toujours la valeur devant notre Dieu, mon frère. We are still valued to Him. Alléluia. Amen. Quel que soit l'âge que toi tu as. Even though your age. Frère, nous avons la valeur devant notre Dieu. We still have value to Him. Un jour, one day, Jonas voulait fuir devant Dieu. Jonas was going was escaping from God. Nous connaissons l'histoire de Jonas. We know his story. Jonas fuyait devant Dieu. He was. Il fuyait devant Dieu. He was escaping from God. Il voulait pas rester à la présence de Dieu. He did not want to stay in God's presence. Mais Dieu était toujours avec lui. But God was still to his to him. Il a pris le bateau pour aller de l'autre côté. He took a boat to go far. Mais le Seigneur était toujours avec lui. But God was still with him. Malgré les rêves qu'il a fait. Even though what he was doing. Le Seigneur était toujours avec lui. God was with him. Malgré les défauts que tu as de faire. Even though what you are doing. Tu dis que le Seigneur m'a abandonné. You say God forsake me. Non, mon frère, le Seigneur est toujours à côté de toi. No, God is still behind you. Et tourner vers le Seigneur Jésus-Christ. Come back to him. Et il va t'accueillir, mon frère, ma soeur. He will welcome you. Voilà Jonas. Look, Jonas. Après tout, le Seigneur a préparé le poisson qu'il a pris Jonas pour aller envoyer Jonas à Ninive. And God prepared a ship to send Jonas to Nineveh. Là où Dieu l'a envoyé. Where God sent him. Mon frère, ma soeur, nous avons la valeur devant notre Dieu. Brothers and sisters, we are valued to God. Dieu nous aime d'un amour éternel, frère. God loves us with the everlasting love. Puisqu'il est notre Dieu. Because He is our God. Alléluia. Amen. Il ne peut pas nous abandonner, mon frère, ma soeur. He cannot forsake us. Pierre, qui marchait avec Jésus à tout moment. Peter, who was with Jesus every time. Il a nié Jésus. He denied him.
Mais Jésus n'a pas abandonné. And Jesus did not forsake him. Jésus l'a pardonné. He forgave him. Et il a pris encore son travail. And he came back also to his work. C'est la même chose avec nous, mon frère. It's also the same like us. Jésus ne peut pas nous abandonner, frère. Jesus cannot forsake us. Comme notre frère qui est ici devant. As our brother. Il ne peut pas jamais abandonner son fils. He cannot forsake his son. Même comment, mon frère. Even though what can happen. Il ne peut pas abandonner son fils. He cannot. Parce qu'il connaît la valeur de son fils. Because he knows the value that he have to his son. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Frère, nous avons la valeur devant notre Dieu. We are valued to God. Et Dieu nous aime beaucoup, mon frère, ma soeur. And God loves us much. Dans le verset 8, il dit, je monte au ciel et tu es là. Si je couche au milieu des morts, te voici. Verse 8, if I went up to heaven, you would be there. If I lay down in the world of the dead, you would be there. Frère, partout nous devons aller, même nous devons partir au ciel, même je meurs, aujourd'hui je pars sur la terre, Jésus est toujours avec moi. Brothers and sisters, whenever we can go, God is with us. Even though we die, He's still with us. Il nous connaît, frère. He knows us. Mais aujourd'hui, il y a une chose que les chrétiens ne comprennent pas. But there is one thing that the Christians today don't understand. Le matin, quand je venais, this morning when I was coming, je suis passé à la route, il y avait un cimetière à côté là. I passed in the way where there is a cemetery. J'ai vu des voitures, luxe. I saw cars, nice cars. Et les gens avec des fleurs pour aller déposer au cimetière. People with flowers to put on the cemetery, to the cemetery. Frère, ma soeur. Brothers and sisters. Tu es ici ce matin. You are here this morning. Pour écouter la parole de Dieu. To listen to the will of God. Dans la maison de Dieu. In the house of God. C'est l'instruction. There is instruction. Et la correction. And the correction. Les gens qui sont morts. Those who died. Nous n'avons pas besoin d'eux. We don't need them. Pour nous maintenant, nous n'avons pas besoin des gens là. For us, we don't need them. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui a besoin des gens là. It's Jesus Christ Himself who. Alléluia. Amen. C'est Jésus qui a besoin des gens là. It's Jesus who need them. Mais nous maintenant. But us here. Non, nous n'avons pas besoin des gens là. We don't need them. Mais il nous a donné la promesse. But He promised us. Un jour les gens vont ressusciter. That one day they will come back to life. Ils vont revenir encore dans la vie. They will come back to life. Si tu as perdu ton père. If you lost your father. Ton père va revenir. He will come back to life. Si tu as perdu ton fils. If you lost your son. Ton fils va revenir. He will come back to life. Si tu as perdu ta mère. If you lost your mother. Ta mère va revenir. He will come back. Alléluia. Les gens qui achètent le fleur à les déposer là-bas, c'est pour rien, frère. Those who are buying flowers to put on the grave for nothing. Pour rien, frère. For nothing. Cet argent-là, that money, allez donner aux gens qui ont envie. Give to those who are still in life. Ceux qui n'ont pas la nourriture. Those who does not have food. Ceux qui n'ont pas les transports. Those who does not have transportation. Si tu ne vois pas les gens-là, when you meet that those people, sortez dehors. Sortez dehors à la maison. Go out from your house. Tu vas trouver les gens qui ont été demandés d'argent route. You will see them. Et tu vas les donner. And you can give them. Alléluia. Amen. Voilà ce que le Seigneur nous a promis. It's what God promised us. Les gens sont morts, frère. Those people died. Bon, je vais donner un exemple maintenant. I'm going to give an example. Aujourd'hui, tu pars déposer les frères. Today you when you go to put the flower. Des images passées, des images si prochaines, tu peux encore déposer le fleur. Next Sunday you go back again to do to put the flower. Et tu pars encore le dernier jour. And the next one also. Les gens quand ils partent là-bas, when they go there, avant de déposer le fleur en bas. Before to put the flower down, il commence à parler. They start to speak. Mais frère, tu parles quoi même? What are you speaking?
Le monsieur déjà mort depuis 10 ans, 3 ans. The one who died for a long time. Mais toi tu parles pourquoi? What are you speaking? Vous vous posez pour rien, mon frère, ma soeur. Ask yourself the question. Toi maintenant. You can see now. Si c'était ton père. If it was your father. Il était mort depuis 2 ans ou 3 ans. He died 2 years or 3 years ago. Tu vois la cercueil commence à bouger. And you see the coffin. The coffin start to move. Ça commence à bouger. It start to move. Il sort. He come back. Il t'appelle. Viens. He call you. Est-ce que tu vas partir? Will you go? Alléluia. Dites-le. Est-ce que tu vas partir, mon frère? Will you go? Tu vas rester là? You will stay there. Tu peux pas rester. You cannot stay. Tu ne peux pas rester. You cannot stay. Mon frère, ma soeur, c'est le temps de comprendre la parole de Dieu dans notre vie. My brethren, it's time to understand the word of God. Puisque Dieu nous aime. Because God loves us. Il nous montre toujours la vérité dans sa parole. He always shows us the truth in his word. Ce que nous devons faire. What we must do. Et ce que nous ne devons pas faire, mon frère, ma soeur. What we must not do. Si tu as l'argent, donné, allez donner au orphelin. If you have money, go and give to the orphelin. Nous devons regarder dans le verset 10. We can see verse 10. Même là, tu me connais par, même là, tu me conduis par ta main et tu me tiens solidairement. You would be there to lead me. You would be there to help me. Verset 11. Je vais dire. Je vais me cacher complètement à l'obscurité, que le jour deviendra nuit autour de moi. 11. I could ask the darkness to hide me, or the light round me to turn into night. Verset 12. Mais pour toi, même l'obscurité est lumière, et la nuit est claire comme le jour. Obscurité ou lumière, pour toi, c'est la même chose. 12. But even darkness is not dark for you, and the night is as bright as the day. Frère, darkness and light are the same to you. Devant le Seigneur, tout le temps que la lumière et l'obscurité, c'est la même chose. To God, darkness and light are the same. Nous pouvons se cacher devant les gens. We can. Nous devons casser devant les gens. We can, je peux me cacher devant mon frère Jimmy. I can be. Caché. Caché. I can hide myself behind my brother. Mais je ne peux pas me cacher devant le Seigneur Jésus. I cannot hide myself to Jesus. Mais lui, il me voit à tout moment, frère. He sees me every day. Puisque c'est lui qui m'a créé. Is the one who created me. Le verset 13. Verse 13. C'est toi qui as créé ma conscience. C'est à toi qui m'as tissé dans le ventre de ma mère. You created every part of me. You put me together in my mother's womb. Mon frère, ma soeur. My brothers and sisters. C'est le Seigneur Jésus qui a créé notre conscience. It's Jesus who created our conscience. C'est lui qui a nous tiré dans le ventre de notre mère. He's the one who put us together in our mother's womb. Nous avons